sommes aujourd'hui à Sancerre, avec le village juste derrière nous, Jean-Jérôme. Nous sommes au bord de la Loire, juste en face de Pouilly-Fumée. Nous sommes sur une terre de grands Sauvignons. Et pour comprendre cette appellation que tout le monde connaît, on va rendre visite à un grand domaine, le domaine Alphonse Mello, père et fils. Comme son père, il s'appelle Alphonse et ils sont présents à Sancerre depuis 19 générations. Et c'est justement Alphonse Junior qui a créé cette fameuse génération 19 qui fait partie des très grands Sauvignons. Ah bah justement, il y a Alphonse qui arrive là. Oui, c'est Alphonse. Oui, c'est Alphonse Senior. Alphonse Senior, allez, viens. C'est là. Bonjour Alphonse. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alphonse Senior. Ah, on est vraiment vernis là. Une citation de Saint-Exupéry en disant que on ne connaît bien que ce qu'on maîtrise. Vous parlez de vos sols, donc Oui, ça commence par là, la connaissance des sols, la connaissance du cépage de Sauvignon, qui est un cépage magique. Ouais. Pour moi, le plus grand cépage de vin blanc. Probablement le plus difficile, parce qu'il peut être très vite végétal, herbacé, bourgeon de cassis, pipi de chat, comme on dit. Mais quand il est dans sa maturité sur son terroir, ça peut être grandissime, parce qu'il y a dans le Sauvignon une complexité aromatique naturelle qui va lui donner une autre dimension par rapport à nos amis bourguignons avec le chardonnay. Alors justement, vous parlez de grands sauvignons, et il paraît que les Néo-Zélandais qui font des grands sauvignons, par rapport à nous, qui font des sauvignons, voilà, vous avez répondu à ma question. Non, comment on différencie quand on est néophyte? Dans votre question, il y a la réponse. Ils font du sauvignon. Merci. Ils ne font pas du Sancerre. C'est là qu'il y a la différence. Quand on regarde les dégustations dans la presse, vous êtes premier partout. Alors, il est où? Ah bon? Mais oui, vous savez. Qu'est-ce qui explique sur une appellation comme Sancerre les différences qualitatives entre plusieurs vignerons? C'est quoi? C'est un problème de rendement? On travaille. Il y a autre chose que le bol. Non, mais c'est un vrai travail. Hein. C'est le respect des sols, le travail des sols. On travaille en bio depuis des années. C'est pas simple dans nos régions. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que travailler en bio? Ben, c'est n'utiliser que des produits naturels. Pas de désherbants, évidemment. Et les sols travaillés, parce que c'est important de travailler les sols. Mmh. On va travailler les sols, on va apporter de l'oxygène. Donc on va donner la possibilité aux racines de descendre, donc d'exprimer la minéralité du sol. Si on ne travaille pas les sols très vite deviennent compacts. Et le système racinaire ne va pouvoir se développer qu'en surface. Et là, la vigne, elle va manger que ce que le vigneron il met comme engrais chimique dans la vigne. Elle va bouffer au McDonald's tous les jours. Ah non! Donc, et les vins qui en sortent, bah, ça ressemble un peu à ce qu'on bouffe au McDonald's. C'est en hommage à votre père que vous avez fait la cuvée Edmond, qui est ici. Et votre fils a fait, lui, la cuvée Génération 19. Lui a fait Génération 19. Chacun marque sa génération. Voilà, ça, c'était un petit peu... il s'est dit là aussi, papa, il a fait la cuvée Edmond. C'est comme ça qu'il m'a fait comprendre que je pouvais dégager, en fin de compte. Il s'est demandé, vous savez, Freud nous a appris que c'était pas au père de tuer le fils, c'était au fils de tuer le père. Et bon, ça me va très bien parce que j'ai d'autres passions aussi. Moi, j'aimerais bien voir la différence entre une cuvée Edmond et une génération 19. Ah, c'est deux imaginaires complètement différents. On peut goûter, oui. Ah, ouais. Alors là, on est sur génération. Qui est donc la cuvée de votre fils, donc de Junior. Et là, on tombe dans le minéral, là. On descend dans le sous-sol. Là. C'est vif. C'est très aromatique. On retrouve son sang ici, finalement. Je sens la pierre. Est-ce que c'est normal? Ah oui, ça sent la pierre, bien sûr. Ah. Ça y est, tu vas manger de la pierre. Mais non, c'est pour s'en ressentir, c'est ça? Oui, il faut les prendre. Goûte la pierre. Comme qualité de pierre, c'est quoi? Bah, c'est des calcaires, ça. Des calcaires. Ah oui. Petit méridien. On a un côté fumé, quand même, un peu. Goûte là, Jean-Pierre. C'est intéressant à goûter, ça. Ouais. Ça y est, là, qui mange les pierres, maintenant. Oui, tu sais, si tu veux sentir la minéralité, tiens. Les Parisiens, elles me les font toutes. Les Parisiens, les hommes, Non, moi, je l'ai senti tout de suite en buvant. Ah, vous voulez que... Oui, faites expérience de ça. Ah, c'est génial. Ah oui, oui. Incroyable, hein. Ouais. On retrouve ce qu'il y a dans le verre. Exactement. Ah, oui. En même temps, c'est salin. Oui, c'est les notes salines. C'est ça, la caractéristique. Ouais. Désaltérant, salin, ça fait saliver. Bon. Alors, cette cuvée Edmond? Alors, cette cuvée Edmond, je l'ai faite en souvenir de mon père, qui malheureusement est parti assez tôt, il est mort en 77. Mais c'était un personnage.
qui a largement contribué à faire connaître le Sancerre, notamment sur la place de Paris, en montant un bistrot qui existe toujours, qui s'appelle le Sancerre. On est toujours embêté, on voit que les grands dégustateurs crachent toujours au moment de goûter. Ça offense pas le vigneron ? Ouais, non, ça on crache parce que si on crachait pas, on serait carbonisé à midi. Ouais. Quand on a, on a parfois 10, 15, une vingtaine, 25, 20 goûter. Donc c'est juste pour expliquer que ça, c'est une pratique professionnelle. Et voilà. Comme nous rentrons petit à petit dans le monde professionnel, on s'améliore en connaissance, Delphine. Oh ben. Et tu sais bien C'est vrai. Vous rigolez, mais vous seriez surpris. Donc on va essayer de recracher comme un vigneron. Tu veux que je crache comme un vigneron ? D'accord. C'est juste un filet, il paraît. Oui, je suis curieux de voir ça quand même. Pas mal. Ah, il y a eu beaucoup d'élégance en plus. Et voilà. Ouais. Alors là, on est élevé, 100% en barrique pendant deux années et demie. On a à la fois le côté minéral, le côté dense des générations, mais en plus, on a l'élevage. Le temps. C'est important, le temps. Là, on est sur les tanins soyeux, la tendresse, la longueur. Moi, celui-là, je trouve moins calcaire. Ah oui, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir, oui. Là, le sol va s'exprimer dans 4-5 ans. Il faut qu'il fasse la synthèse de son élevage. Maintenant, c'est simple, puisque finalement, moi, je ne fais plus grand-chose. Vous allez aller voir le maître d'œuvre, celui qui m'a expulsé de la cave, et qui est un magicien, qui est... Alphonse Junior. Oui, qui est Alphonse Junior. D'accord. Je suis très fier de ça. D'accord, on y va. Merci pour cette belle dégustation. Je prends... Mais écoutez, je suis tombée sur Edmond, alors je pars avec Edmond. Hein. Je vous bouche avec le bouchon de Edmond, si je puis m'exprimer. Alphonse, bonjour. Junior. Alphonse, Génération 19, c'est un petit peu la réponse de Junior à la cuvée Edmond de oui, notre père oui, senior. Oui, c'était, en fait, c'était un petit peu c'était un petit peu un challenge quand moi je suis arrivé. Moi je suis arrivé en 91 et on a commencé un petit peu par se remettre en question, notamment sur les rouges, avec Génération 19, parce que je suis 19e Alphonse. Et après, on a poussé jusqu'à la cuvée en blanc également. Bon, après, une réponse à la cuvée de Mont, oui et non, on va dire, parce que c'était déjà... Quelles sont les grandes différences aromatiques qu'on a entre les deux cuvées ? Je dirais que si on voulait caractériser Génération 19, je dirais que ce serait plus... moi j'appelle ça de l'eau de roche, c'est-à-dire qu'on veut vraiment faire des vins qui sont très désaltérants, ça ne veut pas dire des vins légers non plus, mais des vins d'équilibre, donc ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à faire, et surtout sans oublier une grande buvabilité, c'est-à-dire un côté très salin, un côté très iodé. En fait c'est vraiment l'expression du Sauvignon des raisins mûrs, quoi. Après le Sauvignon c'est un cépage magique, hein. Quand il est mûr on peut avoir... On peut avoir une palette aromatique énorme. Hein. Ça peut être du citron vert jusqu'au litchi, jusqu'en passant par les fruits exotiques, en passant par. Après, c'est vrai que sur Génération, on essaye de toujours de garder ce côté tendu, très minéral. Voilà. Alors maintenant, je vais vous emmener dans la cave où on fait tous les élevages de cuvée de Mont. Voilà, la fermentation et l'élevage.